Des dizaines de milliers de jeunes gens à la rencontre du pape François à Madagascar. Plus de 100 000 fidèles exaltés ont assisté au rassemblement en présence du souverain pontife dans les environs de la capitale Antananarivo, selon les organisateurs. Bon, comme émotion, moi, je suis trop content. On a bondi de joie. Comme tout le monde, on est heureux de voir le pape arriver à Madagascar. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir voir le pape en personne et en os. Parce que tout ce temps, je lui regarde dans le télé, dans le KTO et suis très impressionné par ses volontés de venir ici à Madagascar. Ça fait du bien et j'espère que tous les Malgaches se réunissent toujours. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu pour la première fois? Légère, voilà. L'église catholique romaine est l'une des plus importantes à Madagascar. Elle réunit un quart de la population. Le pape François poursuit sa tournée de 7 jours en Afrique. Avant Madagascar, il a été reçu au Mozambique. Il doit ensuite se rendre à Maurice.